Bonjour, nouveau vlog. Direction la déchetterie, vous l'aurez deviné, il y en a là, il y en a même devant, il y en a partout. Et on est vraiment, vraiment pas en avance. Donc, la dame n'est pas sa voiture à brûler. Genre, qu'est-ce qu'elle fait avec un masque à moitié mou, puis une perche, tout ça. Ouais, donc je vous reprends tout à l'heure. Bah, mets ton petit masque maintenant. Ouais, il va nous le dire, hein, je pense. Mais c'était hyper strict sur le site. Hein. Il y a personne qui a de masque là. Bah, il y a un truc que je comprends pas. Il y a marqué tu peux rester que 15 minutes. Genre, il faut pas que tout le monde soit. Ah mince, ça sonne. Il faut pas que tout le monde soit en même temps que toi. Et là, je vois, il y a plein de monde. C'est ma carte. Ou alors, c'était que c'était il y a 2 semaines. Ou c'était... Attends, monsieur, veut te donner. Bonjour. On a pris rendez-vous sur le petit site à 14h30. Ça marche. Ok, nous, vous avez. Est-ce que, ma question, c'est simple, est-ce que le plastique, on peut le mettre en même ça, temps? Non, ça, il faut l'emmener dans le tout. Ah, ok. Voilà, une bonne chose de faite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais faire un petit peu de ménage là. Aspirateur, surtout au niveau du bas, là, du rez-de-chaussée. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Mais laver le sol. Voilà. Ménage quoi. Bon, j'ai bien avancé. On a bien avancé. Parce que, bon, bah, moi j'ai fait là, la salle. Et avec Eric, on a fait la cour extérieure. Parce que comme il y a la litière et tout. Ça demande vraiment un entretien beaucoup plus fréquent. Donc on s'est tapé toute la cour, on a fait couler l'eau de façon à ce qu'il y ait au moins ça d'eau, et avec un balai brosse tous les deux on était pieds nus, on a remonté nos pantalons et on a fait tous les recoins. Alors il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça je vous montrerai, on le fera avec au Karcher. La litière du chat, bah on l'a nettoyée complètement, mais bon, ça s'imprègne à un moment donné, le plastique, et je pense qu'il faut le changer au moins tous les ans, quand je dis la litière, le truc en plastique, quoi, le bac en plastique. Et ouais, c'est cool. Franchement, entre les cartons, la courette et ici, c'est plutôt pas mal. Et là, il me reste quoi? Alors, le plan de travail, c'est fait. Je vais me finaliser les miroirs. Ce sera déjà bien. Ouais, alors j'ai attaché mes cheveux et depuis tout à l'heure, ils sont complètement en l'air. Allez, on est reparti. Oups! Plus une seule tache, il est comme neuf. Ah bah voilà, là c'est bien. Je vais me laver le bougeoir aussi, ça fait un moment. Parce qu'il y a la poussière, les bougies aussi. Hop, je remets un petit coup. Rapide. Et ça va être comme neuf tout ça. Bon, c'est pas de l'argenterie, mais il est quand même mieux que tout à l'heure. Hein. Nickel. Hop. Ah, lui, il est pas content. Ça, il est complètement perturbé. Il déteste quand on touche à sa litière, à son petit coin, parce que la courette, là-bas, c'est vraiment son espace à lui. Ben oui, c'est son espace. D'ailleurs, je vais y aller, je vais vous montrer. Alors, en fait, ce qui est prévu, c'est que tout ça, tous les meubles vont partir à la déchetterie. Ils sont pétés, complètement pétés. Même si c'était des meubles normalement qui devaient résister à la neige, à la pluie, tout ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, Eric est passé à travers. Imaginez-vous, la chaise, pareil, le balai, bah, à un moment donné, pareil, il faut que ça parte. Tout ce qui est vert, c'est ce que je vous expliquais, ça va partir avec un Karcher. Donc, on met que de l'eau, hein, pas de produit forcément pour Jackie, c'est papate. Et voilà, parce que l'espace est grand. Franchement, il y aurait moyen de faire un truc hyper sympa avec, regardez, hop, vous allez voir ou pas? Ah non, la lumière. Mais voilà, ça on l'a fait, donc on était vraiment, je vous dis, pieds nus là-dedans. Je vais vous montrer aussi la vitre avec le gars qui va venir tout à l'heure. Alors, regardez-moi ça, c'est ici. Il va pas tarder, monsieur, hein, je crois, il est quelle heure là? Un quart d'heure. Dans un quart d'heure, voilà, donc, vous avez vu. Donc autant dire que c'est pas terrible. Voilà, bon. Oh là là, tu regardes quoi? C'est sur la... Philosophie bayésienne. Eh ben. On imagine que un jour tu te lèves, tu te sens pas très bien. Ouais. Et tu te sens vraiment pas bien et tu vas voir ton médecin et là il te dit voilà, bah, faut faire des tests. Et tu reviens avec les résultats des tests. Et là il te dit oui, j'arrive aussi. Bah, vous avez une maladie très rare. A priori, vous avez une maladie que seulement 0,1% de la population a. D'accord. C'est une maladie rare. Tu fais, ah oui, mais quand vous savez, il te dit, bah voilà, c'est le résultat du test. Le test est fiable à combien? Mais il te dit, le test est fiable à 99%. Ça veut dire que 99%
des gens qui ont ce résultat positif ont vraiment ce vraiment test. Ce test. Ce truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 1% des gens qui ont le résultat positif à ce test qui sont vraiment malades. Mais ça veut dire quoi, le Bayésien? Alors, ça veut dire, est-ce que quand on te dit ça, quand tu es chez ton médecin, est-ce que tu as vraiment 99% de chances d'avoir la maladie? Alors que le test est fiable à 99%. Et bien, la réponse est que, intuitivement, on dira, ben, puisque le test est fiable à 99%, j'ai donc 99% de chances d'avoir cette maladie. Ouais. Comment dire, d'un point de vue bayésien, tu vas prendre en compte la probabilité que tu aies aussi la maladie, etc. La probabilité que tu aies la maladie, tu vas devoir la calculer à partir d'une hypothèse. Non, mais c'est très important. Ouais, ouais. Parce que souvent, les gens réagissent par rapport, on l'a vu pour le Covid, les gens réagissent simplement, on leur dit, un examen est fiable à 30%, c'est-à-dire que quand tu reçois le résultat de l'examen, tu te fies simplement à ça. C'est totalement faux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'avoir un point de vue bayésien sur les événements, c'est très important pour bien comprendre quelle est en vérité la chance ou la malchance d'avoir quelque chose ou qu'un événement nous arrive. Et on voit qu'en vérité, les probabilités sont très différentes. Merci. Donc c'est très important de au moins être au courant. Très bien. Qui est dans ma cuisine? Je veux bien que tu sortes les Golden Grams. Les Golden Grams, vous êtes beaucoup à partager et depuis que j'en parle, à en acheter. Ah, pardon, j'ai un message. Je ne suis pas sponsorisée par Golden Grams, mais si Golden Grams me regarde, contactez-moi quand même. Parce que je fais de la vente, là. Ça y est, le monsieur, pour la vitre est passée. C'était rapide, hein. Il a pris toutes les mesures de la première, de celle du... Ah, je vous ai pas montré qu'il y en avait deux, en fait, de cassées. Et il est reparti. Et ben, on s'est équipé. On va aller marcher, même si... Oh, il caille un peu. Enfin, le temps n'est pas terrible, mais... On y va, tenue de sport. Je me suis trop couverte, j'ai très chaud là. J'ai trois couches. On va vite, hein. On fait au moins du 8 km/h. Et je sais pas si vous savez, mais la marche rapide est autant, voire plus efficace que le jogging. Enfin, est moins dangereux, déjà, parce que des articulations... C'est pas bon, même pour le cœur. Et les effets sont là. Hein. Je suis désolée, il y a du vent, mais regardez ce nuage, on va se le prendre sur la tronche. Il nous reste au moins une demi-heure de marche, on est mal. Ouais, c'est vrai, je recommence. Je suis essoufflée. Non, attends. Est-ce que vous avez compris? Je parlais de ce gros nuage sombre qu'on allait très certainement se prendre sur la tronche. Il y a un géant qui le serre ici, le géant vert, il dit. Comme si un géant me serrait avec ses doigts. C'est comme si un géant me serrait avec ses doigts. Il y a trop de vent, je crois pas dans ce vent arrière. Je reprends mon souffle, j'ai arrivé. C'était dur. On a tellement eu peur de se prendre une saucée qu'on a été. J'ai été beaucoup plus vite que d'habitude. Oh là là, derrière les cuisses, les fesses, ça brûle. Ça n'a pas arrêté de m'agacer, c'est pour ça que j'ai mis là mes cheveux. De l'eau, toujours. Ah, c'est bon. Je vais voir maintenant. Je mets l'eau au frigo. C'est compliqué. Ça va, bébé? 44 minutes pour moi. T'as mis 44 minutes? C'est bien. Qu'est-ce que ça fait du bien quand tu mets de l'eau très très chaude sur tout ton corps, quand il a bien travaillé sur les muscles et tout. Là, je suis en train de me dire... Il est temps d'aller préparer à manger, je sais absolument pas. J'ai de quoi, mais je ne sais absolument pas quoi faire. T'es sûr que c'est ça? Oui. Ah oui. C'est bon. Bonsoir madame. Bonsoir. 3 pizzas plus les chocominos. Ah, super. Je vous les pose là. C'est gentil, merci beaucoup. À vous. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Bon appétit à vous. Au revoir. Bon bah voilà. Nous avons eu 3 pizzas. Des petits chocolats dedans, c'est fondant. Ouais bébé. C'est la Deluxe là? Ouais. Oh, pepperoni, miam. Et la troisième ressemble à ça. Miam, 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 l'indienne. T'intéresse pas, non? Peux voir? Bon, c'est déjà canon, attends, t'es en 4K là. Non, mais je vais améliorer, je... regarde. Alors, elle, qui joue Rita. On dit pas elle, on cherche son nom. Et cette actrice, je sais pas, elle est formidable. Oh, elle a un talent fou, elle. Dis-donc, ça serait pas l'heure d'aller se coucher?
On a passé une super soirée, bah, toujours hein, sur notre série. Et je crois qu'il reste un épisode. Elle est vraiment bien. Bon, je pense qu'il y aura une suite, oui, c'est même sûr. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je vais terminer maintenant ce vlog. Vous allez vous dire, mais pizza encore ? Bah, en fait, moi je prends. Là, vous voyez, il y a trois pizzas parce que c'est des offres. Et puis en plus, on a une offre et tout. Mais moi, je prends genre deux, trois petites parts. Et il en remange demain midi. Il en remange. Enfin, voilà quoi. Il en garde un peu. Mais moi, je mange pas trop, trop, trop le soir comme ça. Lui non plus, on régule. C'est son petit kiff. Lui, c'est vrai qu'il aime bien les pizzas Domino's. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. J'allais vous faire un gros bisou. Et puis, vous retrouver demain. Pour la suite d'aventure, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Et éventuellement, liker si jamais ce petit blog vous a plu. Je vous embrasse fort. Salut.